Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Et aujourd'hui, on va voir ensemble un tour qui va permettre d'être enchaîné sur le tour de la semaine dernière sur Divination Impossible. Vous allez voir, vous allez pouvoir enchaîner les deux tours, donc une fois que vous avez fini le premier, vous pouvez avec les mêmes cartes continuer et enchaîner sur le même effet. Donc c'est toujours intéressant d'avoir deux tours qui se suivent afin de pouvoir créer réellement une routine. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai comment participer au concours pour tenter de gagner mon dernier VOD, Perfect Match. Bref, comme d'habitude, je vous laisse avec la démo. Et pour ceux qui souhaitent apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour qui s'enchaîne parfaitement avec Divination Impossible. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec les 16 cartes plus le Joker. Et pour enchaîner, le Joker, vous le retirez, on n'en a plus besoin. Et vous gardez toujours les 16 cartes que vous pouvez tendre à votre spectateur afin d'enchaîner dans une autre routine. Vous allez voir qui se ressemble un petit peu. Alors, le spectateur mélange les cartes, vous vous tournez et vous lui demandez, comme pour Divination Impossible, de réaliser deux paquets de 8 cartes. Alors, selon son choix, donc il mélange et il fait deux paquets, donc 2, 4, 6, 8, voilà comme ceci, deux paquets vraiment. N'oubliez pas que vous vous êtes retourné, vous voyez absolument rien ce qui se passe. Tout se fait dans votre dos et vous n'êtes pas censé connaître ce que fait le spectateur. Vous allez juste le guider. Donc là, à ce moment-là, vous lui demandez de choisir l'un des deux paquets, peu importe, imaginons celui-ci, et vous allez lui dire de transférer du paquet qu'il a pris en main, une, deux ou trois cartes dans l'autre paquet. Ça, vous ne connaîtrez pas le nombre de cartes qui aura été transférées, mais ça va se faire dans votre dos. Donc imaginons le spectateur décide de transférer une, deux et trois cartes. Il les prend, il les met dans l'autre paquet, comme ceci. Voilà, bien sûr, il peut tout mélanger, hein. Ça, vous, ça se fait dans votre dos, vous ne pouvez pas savoir ce que fait le spectateur, hein. Vous le guidez juste sur ce qu'il doit faire. Et à partir de là, vous lui demandez de prendre un des deux paquets, imaginons le plus gros ou le plus petit, garde le même, peu importe, ça vous n'êtes pas au courant. Et vous allez lui demander de retourner autant de cartes qu'il souhaite, face en l'air. Donc vraiment autant de cartes. Donc imaginons qu'ici il va en retourner 3, 1, 2, allez, et 3 par exemple, ces 3-ci. Et bien il prend l'autre paquet, il les retourne également 3 cartes, vraiment comme ceci, ou même collé, hein, peu importe. Ça, vous n'êtes pas au courant, il fait ça dans votre dos. Vous n'êtes pas censé savoir combien de cartes ont été transférées et combien de cartes ont été passées face en l'air. Pour vous, c'est une inconnue totale. À ce moment-là, ce qui va se passer, vous allez lui demander de vous tendre dans votre dos l'un des paquets. Donc, imaginons qu'il vous tende celui-ci. Bien sûr, il peut les mélanger, hein, encore une fois, hein, il peut les mélanger. Il vous les tend dans votre dos. Vous, vous récupérez le paquet comme ceci. Et le but étant, c'est que vous lui expliquez que vous avez vraiment un toucher et un sens médium plus développé que la normale, et que vous allez être capable, hein, toujours en ayant les cartes dans le dos, vous êtes capable de pouvoir retourner face en l'air un nombre défini de cartes. Alors là, vous vous concentrez, et là, vous allez dire par exemple, je pense que je vais retourner 10 cartes face en l'air. Alors, vous lui demandez qu'il vous donne les cartes restantes, hein, vous les récupérez également, vous revenez comme ceci. Et du coup, vous dites que, alors que vous ne connaissez pas le nombre de cartes qui est passé d'un paquet à l'autre, que vous ne pouvez pas connaître les cartes qui étaient déjà retournées face en l'air, vous, vous êtes capable, juste en vous concentrant et en touchant un petit peu les cartes, à retourner 10 cartes face en l'air. Ça paraît complètement impossible puisque vous ne pouvez pas voir les cartes, hein, ça se fait dans votre dos, vous ne pouvez pas les voir. Et pourtant, si on regarde et qu'on compte, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes face en l'air. C'est un vrai miracle. Normalement, pour les spectateurs, c'est totalement impossible parce qu'il a retourné le nombre de cartes qu'il lui a souhaité sans que vous puissiez le savoir. Donc vraiment, il y a des inconnus impossibles à deviner. Et pourtant, vous êtes capable de mettre face en l'air le nombre de cartes que vous avez citées sans pour autant avoir pu regarder les cartes. Et ça, c'est un vrai miracle. Et voilà, j'espère que la démo vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. Vous verrez, c'est un tour qui suit parfaitement le tour de Divination Impossible qu'on a vu la semaine dernière. Vous l'avez compris, dans la démo, je peux pas réellement vous faire le tour parce que je suis tout seul. Mais je vous assure que ça marche vraiment comme ça. Allez voir l'explication, vous verrez, c'est vraiment simple à réaliser et très efficace. Et comme je le disais en début de vidéo, place au concours. Et oui, grâce à un tirage au sort, je vais tenter de faire gagner à l'un d'entre vous mon dernier VOD, Perfect Match. Pour les curieux, Perfect Match, c'est un effet de coïncidence impossible, mais de façon très 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 clean. L'effet brut est simple, vous prenez un jeu de cartes, vous l'étalez en ruban, le spectateur choisit une carte librement, vraiment celle de son choix, sans aucun forçage. Au préalable, vous avez mis de côté une carte d'une couleur différente du jeu, une carte prédiction, bien en vue dans un verre, un étui, sur la table. Et par la suite, vous faites choisir librement une carte au spectateur dans le ruban. La carte, pour l'isoler, pour éviter de manipuler, vous la mettez avec la carte prédiction, ensemble, vous récupérez le jeu, vous mettez le jeu de côté. Et pourtant, quand vous récupérez les deux cartes du bout des doigts,
pouvez les retourner et les deux cartes matchent parfaitement. C'est déjà fou, c'est déjà énorme, mais c'est que le début et que le premier effet, car maintenant si vous prenez le jeu, vous claquez des doigts et vous le retournez face en l'air, et toutes les cartes sont blanches, la seule carte choisie par le spectateur, c'est la carte imprimée, la seule carte qui match avec la carte prédiction. Et pour le coup, le climax est parfait. Bref, c'était pour vous résumer le tour, vraiment c'est clean, c'est très facile à faire, c'est personnalisable, bref, vous avez tous les détails dans la description, je vous mettrai le lien pour le teaser pour le voir en entier, et pour ceux qui tentent de le gagner, c'est par ici. Comme d'hab, je fais simple pour participer au concours, trois règles. La première, être abonné aux deux chaînes, celle-ci et la chaîne secondaire Magie Streaming, les liens sont dans la description. Mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, et pour finir, ajouter un commentaire, un seul commentaire, pas un de plus. Si vous mettez deux commentaires, ça vous disqualifiera automatiquement, donc vraiment mettez un seul commentaire pour que ça valide votre participation, et c'est fini, et vous êtes automatiquement enregistré pour le tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine. J'épinglerai le commentaire gagnant directement dans cette vidéo la semaine prochaine, donc il faudra revenir sur cette vidéo pour voir les résultats, et en même temps le gagnant sera contacté et je lui enverrai son code pour avoir accès au VOD gratuitement. Donc voilà les trois règles, être abonné aux deux chaînes, Tuto Magie et Magie Streaming, liker cette vidéo et ajouter un commentaire et le tour est joué. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin, j'espère au moins qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, si vous avez des questions à me poser, j'y réponds avec plaisir. Également mon école de magie 100% gratuite, www.magistreaming.fr, pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tout accompagné de tout expliqué. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en souscrivant à la chaîne Tuto Magie Premium, les liens sont dans la description. Voilà, c'est pour avoir des tours exclusifs, des posts et emojis exclusifs, et ça me permet également de me soutenir personnellement, et pour ça je vous en remercie énormément. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.